plantation de la terre en bleu a été installée, eh bien, il va falloir commencer à tracer les contours des continents qui vont décorer et être appliqués sur ce cercle, afin d'avoir les repères pour pouvoir placer chaque élément de tissu. Alors, pour ça, on va utiliser un marqueur à l'eau pour qu'on puisse nettoyer après, que l'on puisse effacer le trait, les contours. Ça devient un peu plus sage pour respecter notre nature. Voilà, on termine le Brésil. Enfin, tout au moins l'Amérique du Sud. Voilà, je crois qu'on y est presque. Et c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup d'eau quand même sur la terre. Et voilà, tout est tracé. Je peux maintenant replier mon tissu, prendre le cutter et commencer à découper continent par continent. Alors, on pourrait très bien faire un continent en entier et le plaquer, mais le problème, c'est qu'il y a des endroits où il ne reste plus beaucoup de tissu et ça risque de se déformer lorsqu'on va vouloir le plaquer. Donc moi, je privilégie plutôt des grandes masses et les séparer lorsqu'il y a des parties qui sont un petit peu trop étroites. Alors c'est parti pour la découpe. Voilà, je termine ici l'Afrique. Alors c'est bien que le cerf-volant, ce qu'on peut faire aussi avec les enfants, une petite révision de la géographie. Hein. Voilà. Donc, vous voyez ici, malgré le lien qu'il y a avec le Moyen-Orient, eh ben, j'ai préféré prendre le continent africain et je vais d'abord traiter cette partie-là avant de poursuivre la mise en place des autres continents et des autres îles. Attention, parce qu'il y a des endroits où il y a des trous. Toujours caler le papier. Alors moi, j'utilise des... Ça s'appelle des chutes de drapeaux de volets métalliques. Ça, on en trouve dans toutes les bonnes serrureries. Il suffit d'y aller. Ils font cadeau de ça, il n'y a pas de problème, c'est gratuit. C'est comme cette règle. Hein, c'est, j'utilise une règle en métal, en acier trempé, qui est en réalité une récupération de ressorts de volets métalliques. Le gros avantage de cette règle, c'est bien sûr sa souplesse, donc elle va s'adapter aux différentes formes. Et puis surtout le cutter, quand il passe dessus, il ne glisse pas, il ne peut pas rentrer, comme par rapport à l'aluminium, il ne peut pas rentrer et risquer de couper les doigts. Ça c'est très pratique et ça ne coûte rien puisque c'est de la récup. Et qu'aujourd'hui, la récup, c'est vraiment une mine d'or pour tout le monde, pour son porte-monnaie et pour la planète. Voilà, donc je découpe au cutter. Bon, on n'est pas au millimètre près là, hein. C'est pas le contour, on le respecte à peu près, mais c'est pas très grave si on fait quelques entorses aux latitudes et aux longitudes. Voilà qui est fait. Alors après avoir bien positionné le motif avec des poids, donc il y a une petite astuce qui consiste, on peut utiliser soit de l'adhésif, enfin c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a des parties qui sont rondes, ou soit ce qui fonctionne bien aussi, c'est d'utiliser la colle en bâton, hein, sans faire de pub à qui que ce soit. Toutes les colles en bâton valent, et il suffit après de passer un petit trait de colle sur le pourtour, de rabattre. Alors si ça dépasse, c'est pas un problème, hein. Après avec un peu d'eau savonneuse, ça s'en va. Et ça suffit pour maintenir le tissu avant de passer à la machine à coudre. Voilà. Et donc tout le pourtour est encollé de cette façon.
là, j'ai continué à découper mes bandes de graphisme qui sont, je vous le rappelle, de l'insignia autocollant qui sert à faire les immatriculations sur les bateaux, sur les voiles des bateaux. Ici, je fais des bandes un petit peu plus étroites hein, qui font à peu près 4 mm, 3 à 4 mm de largeur parce que je vais devoir contourner un motif où il y a des courbes. Donc, une plus grande largeur, ça ne permettrait pas de bien suivre le contour. Donc j'ai fait quelques bandes qui sont un petit peu plus étroites et que je vais placer maintenant avant de passer à la couture du premier motif.